400 garçons. Nous sommes en manche sèche, ce qui veut dire que les 4 premiers qui franchiront la ligne d'arrivée seront qualifiés pour la finale. Allez, en proposition, on retrouve Jérémy Agrestimulose, couleur de Vitrolles. La deuxième position, c'est bien Maxime Salmon de Sainte-Victoire. Troisième position, Lucas Michelini pour le club de Sainte-Victoire. Allez, on regarde cette quatrième place qui est qualifiée également pour les finales. Les couleurs des premiers avec Noah Plain. La tête de course, pas de changement. Toujours Jérémy Agrestimulose en première position. La deuxième position, Mille Caillot pour BMX Peigné. La troisième position, Lucas Michelini. Et la quatrième place, donc ce pilote, il y a eu du changement pour cette quatrième place. C'est bien Maxime Salmon qui prendra la quatrième position. Encore 4 noms pour connaître la finale de tout à l'heure. Allez, le pilote qui est en tête, Florent Hardy, la deuxième position. On a Jérémy Pongeon, la troisième position. C'est le numéro 59, Marius Dupuis, de Sainte-Victoire, à la quatrième place. Louis Ville, du club de Cornillon, qui sont les 4 premières places actuelles de cette demi-finale. Nous sommes à la course. Est-ce qu'il y a du changement sur la tête de course? Oui, je pense qu'il y a eu du changement sur la tête de course, puisque c'est bien le couleur de Sainte-Victoire qui arrive en tête avec Jérémy Longeron, la deuxième position. Toujours le club de Sainte-Victoire avec Marius Dupuis, la troisième position. Livio Gil, la quatrième place. Elle revient actuellement à la plaque 56, Adrien Malpa de Sainte-Victoire. Attention, juste derrière lui, Juan Pêche, également du club de Sainte-Victoire. Et nous avons eu une chute malheureusement dans les...